programme nos informations. Et Kaka Jean-Jean aussi. Bonsoir, un invité dans ce numéro de C'est le foot, Nicolas Deric, le nouveau coach de la Dynamo. Bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir Steve. Nous reviendrons sur le championnat de la Régionale 1, la 8e journée évidemment, la parole aux arbitres, une nouvelle rubrique qui a sa place dans C'est le foot, car nous estimons qu'ils ont leur mot à dire, ces hommes en noir, et qui sont les premiers concernés dans le spectacle sur le terrain. Et puis, en deuxième partie d'émission, un entretien exclusif avec le président de la Ligue Guadeloupéenne de football, Jean Dartron, l'unique candidat à la prochaine élection présidentielle de la Ligue prévue le 6 décembre prochain. Bonsoir, Siv. Bonsoir, Richard, et bienvenue à Nicolas. Mon ami Nicolas, donc je serais content que ah, c'est votre ce ami soir. Nicolas. Exactement, exactement. Donc ça me fait plaisir de le voir là et un peu dans l'évolution avec le football guadeloupéen, de le voir entraîner une R1 et je pense avec beaucoup de plaisir et d'envie qui va faire tout ce qu'il faut pour remonter un petit peu le blason de la Dynamo. Oui, c'est vrai. Bon, on aura l'occasion de nous entretenir avec lui évidemment d'ici quelques instants. Mais l'actualité, c'était malgré tout eh bien, la Régionale 1. Et oui, la Régionale 1, dont c'était la 8e journée. On va voir justement un extrait du match phare de cette 8e journée qui mettait aux prises tout simplement la Juventus de Sainte-Anne. Et puis l'AS Gosier, un match qui s'est soldé sur un score de parité. Il y a eu du spectacle dans cette rencontre que nous avons suivie. Oui, c'était un spectacle, hein, même si on s'attendait quand même à mieux au niveau du jeu. Bon, il y avait beaucoup d'absents du côté de l'AS Gosier, que ça s'est fait ressentir. Il y a quelques joueurs qui sont vraiment sortis du lot, surtout du côté de l'AS Gosier, avec Carne au milieu de terrain, qui a été vraiment incontournable. Et il a fait, on va dire, un petit peu son show aussi techniquement. Il a été très bon. Voilà, donc le match nul est mérité sur l'ensemble des occasions, même si l'AS Gosier a eu le plus souvent le monopole du ballon, le jeu en même, et c'est cette équipe de la Juventus qui s'est créée les plus belles occasions en ayant deux barres transversales, donc ça aurait pu tourner dans leur sens aussi, donc on va dire que c'est un match nul tout à fait mérité des deux équipes. Oui, mérité des deux équipes, de par leurs prestations, c'est vrai. Et puis il y a un joueur qui m'a beaucoup plu dans cette rencontre, mais je dirais c'est le capitaine de cette équipe gosérienne, Marc Siste Pasteur. C'est vrai, souvent critiqué, mais dans ce match, moi je l'ai trouvé très bien. Oui, Richard, c'est vrai qu'il a été, et puis je le trouve un peu plus affûté aussi qu'au début de championnat. Donc je pense qu'il a pris aussi son rôle de capitaine très à cœur. Et voilà, il commence à réellement s'imposer. Et il a été associé là avec Carne. Je pense que c'est deux joueurs complémentaires. Voilà, donc c'est bien pour l'AS Gosier qui est dans la continuité de leur titre et dans la continuité aussi de leur score. Bon, c'est leur premier match nul après 5 victoires. Voilà, même si la Juventus est actuellement première, mais concède 2 matchs d'avance sur l'AS Gosier. Donc ça va être dans cette poule aussi un combat jusqu'au bout pour justement être parmi les premiers. Oui, ben c'est vrai, une équipe, faut dire une équipe de la Juventus qui a frôlé par moment la correction. Mais c'est vrai, il faut dire qu'il y a eu des joueurs qui étaient très présents dans cette équipe saint-anaise, comme par exemple Lucien, l'un des défenseurs, ou alors Fofana, qui est l'auteur du but, qui malheureusement a dû quitter le terrain à un moment donné. Non, j'ai trouvé que c'était un match, ma foi, assez plaisant auquel nous avons assisté.
Voilà, Fofana en deuxième période qui a mis le feu, hein, on va dire. En première période, on a trouvé God sur le côté Gob sur le côté droit qui a alterné un peu avec Fofana. Ils ont changé, ils ont permuté durant le match. Mais en première mi-temps, Gob par sa vitesse, et en deuxième mi-temps, c'est le foufoulé Fofana qui est malheureusement sorti avant la fin du terme du match, de la rencontre, par rapport à la fatigue aussi et des coups, donc et des débuts de crampes. Donc voilà, donc c'est très intéressant aussi du côté de la Juventus, parce que personne ne les attendait réellement à ce classement-là, et je pense qu'ils prennent à cœur justement leur bonne performance et espèrent continuer de si belle. Alors, un match qui s'est terminé justement sur le score d'un but partout, et au terme de la rencontre, et bien justement, et bien nous avons eu un entretien avec le référé central Rudy Antoine. C'est la nouvelle rubrique justement de cette émission, à savoir si le foot. Je vous propose de regarder ce sujet. Les images sont signées Daniel Héraville. Ce geste fait partie du rituel de l'arbitre. La préparation physique et psychologique. Deux conditions indispensables qu'il faudra mettre en pratique au moins pendant 90 minutes. Et cela dans une parfaite cohésion. Autre particularité non négligeable, les forces en présence. Ici, il s'agit du leader du championnat et de son dauphin. De l'autorité, voilà l'élément clé de cette confrontation. Alors, Rudy Antoine, un match, ma foi, où il y avait un petit peu d'intensité. Quelle est votre lecture par rapport à cette rencontre ? C'était un match engagé, un match où il y avait des duels, où il fallait entendre et comprendre le jeu. Donc, du coup, les acteurs étaient désireux de s'engager, d'aller vite, de jouer vite. Nous, on a des recommandations pendant toute l'année, c'est de vraiment laisser jouer le jeu, développer le jeu et d'aller vite. Donc, moi, j'ai essayé d'évaluer justement les fautes où il y avait l'intégrité physique des joueurs est engagée, couper quand c'était nécessaire. Et puis, dans l'ensemble, ça a été un match respectueux, dans de bonnes conditions, les joueurs étaient dans bon état d'esprit. Donc c'est naturellement qu'on a laissé jouer et ça a donné un score de parité de un but partout. Voilà. Alors est-ce que l'aspect physique a été d'une importance capitale dans cette rencontre ? Oui, parce que c'est préparé, hein, le trio s'est préparé. La préparation comment ? La préparation, alors dans un premier temps mental, dans un premier temps physique et surtout les consignes d'harmonisation entre nous trois, y compris le délégué qui était avec nous, pour cadrer l'ensemble des acteurs, parce que bon, on sentait la tension, on ne veut pas mentir, il y avait de la tension, mais il y avait une forte intensité, et on s'est préparé, physiquement, il fallait montrer aussi aux joueurs qu'on était présents, les assistants ont vraiment donné le paquet au niveau des courses, je leur ai demandé de bien prolonger les courses, d'être présents, d'être dynamiques, d'être acteurs, ce qu'ils ont fait parfaitement. Et puis moi, c'était beaucoup plus facile de me rapprocher, d'être en condition physique pour être présent dans les moments, dans les zones chaudes, notamment les zones de la surface de réparation, où il y a justement un pénalty, il fallait être présent. Et on s'est bien regardé, mon assistant et moi, on était sûr à 200% sur la décision. Voilà. Et la prise de décision, c'est très important. C'est ça. En fait, c'est... Prenons le cas du pénalty, parce qu'il y a eu aussi un carton jaune. Pourquoi le carton jaune ? Bon, on ne va pas forcément rentrer dans les détails techniques,
Mais ce sont les recommandations. Il y a une faute de main, ballon qui va ouvrir le but de manière volontaire où il maîtrise le ballon de la main. Donc du coup, c'est automatiquement que je donne l'avertissement comportement sportif et faute de main. Alors quand il y a une rencontre avec autant d'intensité, justement parler de la prise de décision. Ben on a des consignes, d'ensemble, on a des consignes que la CERA nous donne, même la fédération et la FIFA. Donc on essaie de faire respecter ces consignes là. Donc c'est des recommandations. Après on était en harmonisation sous les consignes. Donc c'est naturellement que la décision elle était unanime. Elle était unanime du trio. On en a discuté pendant la mi-temps, on en a discuté à la fin du match là. C'était une décision vraiment unanime. Tous, on était d'accord sur la décision. Donc voilà. Est-ce que ça peut vous influencer, je veux dire, les spectateurs qui sont dans la tribune, parce que ça crie de part et d'autre? Non, on est préparé psychologiquement et mentalement. Hein. Et le physique aussi fait la différence. On ne peut pas se sentir influencé parfois. Non. Là, on reste concentré. Du début du coup d'envoi jusqu'à la fin, on reste concentré. On est dans notre bulle avec le trio, voire même le quatuor avec le délégué. On essaye de superviser l'ensemble des paramètres et des facteurs que l'arbitre doit maîtriser pendant un match. Donc non, on reste concentré. Un peu plus, j'ai envie de vous dire, j'entendais même pas les supporters. Donc j'étais concentré sur les joueurs, le comportement des joueurs, le relationnel qu'il faut avoir avec les joueurs. Et vous avez vu sur le pénalty, aucun joueur n'a contesté, même le fautif, il n'a pas contesté. Donc voilà, donc ça confirme... Maintenant, dernière question par rapport aux nouvelles lois, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de modifications. Bon, il faut maîtriser, il faut tout maîtriser, ça c'est sûr. Est-ce que ça peut porter parfois, une petite confusion? Il y a les lois du jeu, nous on doit les appliquer. Après c'est vrai que les nouvelles recommandations, on a une formation avec la CERA, on a une formation aussi avec la FIFA, donc les arbitres en Guadeloupe, on bénéficie aussi d'expertise de la FIFA, de la CONCACAF, qui nous forment à ces nouvelles recommandations pour les appliquer sur le terrain. Donc non, on est vraiment préparé à cela et on essaie de les appliquer au mieux sur le terrain. Donc voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Merci infiniment. Merci beaucoup. Une rubrique que vous allez vous familiariser avec, hein, Sylvain, parce que c'est vrai qu'on reviendra très souvent, et bien sûr, le comportement, même je dirais des arbitres sur les différents terrains. Non, c'est très très important même que les gens puissent comprendre aussi souvent les prises de décision et en plus avec le recul et avoir des explications. C'est ce qui manque, ça a été le cas pour le pénalty par exemple. C'est bien d'avoir l'explication, oui. D'avoir toutes les données, qu'il y en a quelques-uns, même moi le premier qui ai dit volontairement, le carton jaune n'était pas obligatoire parce qu'il y a déjà une sanction de pénalty, oui. Mais c'est les règlements qui disent qu'une sanction d'une main est pénalisée par un pénalty. Alors voilà. C'est vrai que là c'est une double sanction, mais bon, quelque part, c'est tout à fait logique. Donc maintenant, c'est bien que tout le monde soit informé, et qu'on ait aussi une relation, on va dire, assez ouverte avec les arbitres qui va nous permettre d'être un peu plus serein à l'avenir. Absolument. Alors, plusieurs matchs, évidemment, se sont disputés. Nous avons fait une sélection de rencontres avec nos confrères de Solidarité Scolaire ou de Télé CSM, Amical TV et Guada Foot TV. Je vous propose de regarder ce sujet, pas moins de 13 buts, vous allez voir, c'est très alléchant. Regardez. Alléchant Thérésine qui lance en profondeur Viardo, peut-être la frappe de Viardo. Et le premier but de la rencontre, Mehdi Viardo. Attention, oui, il faut qu'il la mette au fond là. Et deuxième but pour le deuxième. Mehdi Viardo. Score doublé pour lui ce soir. En plus, il fait bon ici. Ah oui, il fait très bon, très frais. Oui, oh, là, ouais, 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 attention, qu'est-ce qu'on entend, c'est pas possible. Ah oui, oui, Troisillon, le troisième but du CSM. Bonsoir et bienvenue ici au stade de Bémaro. Solidarité Scolaire TV, la chaîne YouTube officielle de la Solidarité Scolaire. Livio dans le milieu de terrain, mais qui se fait déposséder du ballon. Et attention, peut-être l'ouverture du score. Est-ce que ce sera bien cadré? Et c'est rentré. Et direct la égalisation. Solidarité Scolaire TV, la chaîne YouTube officielle de la Solidarité Scolaire. Passe tout le monde en revue. Va-t-il pouvoir mettre le ballon? Oui, il le met là dans les pieds de qui va frapper. Et c'est le but. Ouais. Son
côté droit avec là c'était Adrien Césaire, Raphaël Mirval, peut-être pour le 11e but de la saison, il y a François Cosson, Livio Neves-Saint-Louis, c'est de fond. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Il faut faire attention quand même. Attention, deuxième, et là, oh là là, oh là là, incroyable, l'ouverture du score. L'ouverture, qu'est-ce que je vous avais dit? L'ouverture du score, fallait s'en méfier. Il faut lui composer, au deuxième, elle est bonne. Oh oui. Le capitaine qui montre l'exemple. Eh oui, Dimitri, Dimitri Ramotte. Voix Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. TV, le meilleur du football guadeloupéen. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Vous êtes dans le ticket. Oui, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est bravo justement à notre ami, il faut le dire, à notre ami Richard Garnier. Eh bien oui, c'est vrai que c'est le créateur de ces différentes chaînes qui fait un travail, je dis, assez acceptable, assez complice. Oui, surtout, c'est très intéressant là, de pouvoir permettre à tout le monde de voir un petit peu ce qui s'est passé dans le week-end, de voir les images en plus, mais sur Canal 10 en plus. Donc c'est l'essentiel pour nous et l'essentiel de donner l'information au maximum. Exactement. Des matchs du week-end. Donc plus on en aura, mieux ce sera et on pourra les rassembler. Voilà, donc on est très content de ces prestations. Avant de nous entretenir justement avec notre invité, à savoir Nicolas Déric, eh bien on va passer simplement aux différents résultats. D'abord en ce qui concerne la poule A, on va voir ça tout de suite à l'antenne. Les résultats, voilà, donc le groupe A, la Gauloise qui s'est fait battre par le CSM, vous l'avez vu, 3-0, la Solidarité le 3-1 face au Stade Lamantinois, la Juventus un partout avec la Gosier, l'Amical et le Club Sport, même score, exempt l'Arsenal dans le groupe B. On va voir les différents résultats pour le groupe B. Voilà, alors la JSBH s'est fait battre par l'USR qui refait un petit peu de terrain, cette équipe sainte-cosienne, j'ai envie de dire, ainsi quand même. Hein. Avec un nouvel entraîneur, donc, ouais, apparemment. Ouais. Voilà. Donc voilà, ça porte ses fruits sur la première rencontre. Bon, ça reste JSBH qui est en mauvaise position aussi et qui a une mauvaise série. Donc on va voir par la suite si c'est réellement une réaction ou c'est vraiment... on va voir ça par la suite avec l'USR justement, si elle va confirmer par un résultat positif ou une rencontre. Alors un partout entre l'USBM et la Dynamo, le CERFA ben, qui continue son apprentissage, une lourde défaite, 4-0 face au Phare, le Racing et la Jeunesse Évolution, eh bien, n'ont pu se départager, score de parité 0-0, le Restart donc était exempt. Alors, au classement, ça donne quoi? D'abord, en ce qui concerne la poule A, on va voir que la Juventus se caracole en tête avec 24 points, juste derrière la Esgosie, 22, 3e, le CMCM, le même nombre de points, 4e, idem pour la Solidarité scolaire, et puis ferme la marche, l'Arsenal à la 8e place et le Club Sport à la 9e place. Alors, dans la poule B, le Phare, 28 points,
qui s'en va, cette équipe canadienne. Derrière, la Jeunesse Évolution 22, troisième, la Restart 19, et puis ferme la marche, le Racing Club, avec 10 points. On va voir en ce qui concerne la 9e journée, puisque ce sera au mois de ce mois-ci précisément, le 12, pour être précis. L'Esgosier qui sera opposé à la Gauloise le 12 décembre. De même que le club sport face à la Solidarité Scolaire, le Stade de la Montinois et l'Arsenal, même date. Le CSM face à l'Amicale, également, la même date, c'est-à-dire le 12 décembre. Et puis, exemple, la Juventus de Sainte-Anne dans le groupe B. Maintenant, on va voir ça rapidement. Dans le groupe B, la Restart qui va affronter l'USBM ce soir le 9 décembre. Le 11, ce sera la Dynamo, justement votre équipe Nicolas, qui sera opposée au Racing. Et l'USR, ce sera le 11, et l'USR le 12 décembre face au CFA, la Jeunesse Évolution face à la JSVS le 12 également, exempt le phare, le petit canal. Le Dynamo ou la Dynamo, qu'est-ce qu'on dit, Nicolas ? On dit la Dynamo. La Dynamo, oui, on est plus à l'aise quand on dit la Dynamo. Alors, cette équipe de la Dynamo, si vous voulez, vous êtes le nouveau patron, j'ai envie de dire, sur le plan technique de cette équipe de la Dynamo. D'abord, ce qu'on a envie de savoir, qu'est-ce qui vous a incité à aller avec ce club, puisqu'on vous a connu notamment avec des équipes inférieures, d'accord ? Et là, vous trouvez de la régionale. Qu'est-ce qui vous a incité à aller avec ce club ? Qu'est-ce qui m'a incité ? J'ai eu la chance cette année d'être consultant pour Caraïbes Sport et de voir de nombreux matchs. D'être auprès des clubs. J'ai eu l'opportunité notamment de voir à plusieurs reprises la Dynamo, où j'ai trouvé un club avec du potentiel. Déjà, un club où il y a un stade qui est aussi extrêmement agréable. Oui. Il y a beaucoup de potentiel sur le terrain. C'est un club très familial où on peut mettre beaucoup de choses en place. Et l'entraîneur a fait le choix de démissionner. J'ai eu une opportunité pour être en contact grâce à Christelle Talvin d'être en contact avec le club. Et voilà, le feeling est très bien passé avec le président Desbois, avec le conseil d'administration. Et je suis vraiment ravi là, d'entamer ma troisième semaine avec le club. Quand vous êtes arrivé avec ce club, c'est vrai qu'il y a des joueurs que vous le connaissez tous, hein, quasiment les joueurs. Ben, est-ce qu'ils vous ont bien accueilli Alors, est-ce que ça a été un petit peu musclé? Comment ça a été? Je les connais sportivement, savoir je sais qui est qui, je sais quel poste. Mais pour moi, ça, c'est pas connaître un joueur. Connaître un joueur, c'est savoir, c'est de l'humain, savoir ce qu'il fait dans la vie, comment il se sent. Et ça a été une de mes priorités, justement, à savoir, lors de ma prise de fonction, de m'entretenir individuellement avec les joueurs. Je me suis senti vite très à l'aise, des discussions vraiment, vraiment intéressantes. Et au-delà des joueurs, il y a un staff avec qui je travaille, Jean-Baptiste Benuffet, Gaëtan Soudiagom, avec qui on a vraiment la possibilité d'échanger, on est vraiment complémentaires. Et le président qui nous fait totalement confiance au niveau sportif, donc c'est aussi très intéressant à ce niveau-là. Le groupe vit bien, j'ai entendu dire oui ça va être compliqué, il y a des fortes têtes ou quoi que ce soit. Moi personnellement de l'intérieur je suis satisfait et quand je vois la cohésion du groupe encore ce week-end face à l'USBM, ça permet d'être très confiant pour la suite. Sauf que il y a eu un coup dur pour vous, en tout cas pour l'équipe, c'est la sortie de Richardson Petit. Ouais, j'ai des frissons au moment d'en parler. Je le ressens. C'est très délicat. Richardson, qui est un joueur très important, mais quand je dis joueur, c'est dans la vie de groupe, quelqu'un qui compte beaucoup. Il a une blessure, malheureusement, dont on ne sait pas. 5 jours après, on ne sait pas exactement ce qu'il a. C'est très, très compliqué. Je l'ai encore vu tout à l'heure. J'ai été le voir dimanche matin chez lui. Il va pas bien. Je pense que là, on est en train de voir pour qu'il puisse partir très rapidement en métropole. Il y a une cagnotte qui a été mise en place sur Litchi pour récolter des fonds parce que la situation est très compliquée. J'ai vraiment une grande pensée pour lui. J'espère que ça va se rétablir pour sa maman qui est très présente au quotidien. Et à notre petit niveau, à la Dynamo, on va faire le maximum pour le soutenir parce que c'est ça, être un club, une famille. Et ouais, je suis très très déçu de ce qu'il va y avoir.
Quand on voit ce gamin, moi je l'appelle comme ça le gamin, puisque c'est quand même quelqu'un que j'ai toujours apprécié. C'est vrai que c'est un joueur qui est très calme et qui aime ce qu'il fait et qui aime la vie du groupe, parce que je l'ai vu notamment avec Firmis, qui est son compère, véritablement son très bon ami. Et ben c'est vrai, c'est triste de savoir que bon, mais il est obligé de partir pour se faire soigner là-bas. C'est une grande perte pour le club, oui. Que ce soit en tant que joueur, c'est aussi un éducateur, c'est l'éducateur des U15, des joueurs, oui. Et des dirigeants que j'ai pu voir dimanche matin. Sous contrat fédéral. Qui sont très très touchés par ce qui lui arrive, mais on sent un élan de solidarité autour de lui, et j'espère peut-être que la cagnotte va permettre cela, qu'il y aura un élan au-delà de la Dynamo, au niveau de la Guadeloupe, et peut-être aussi de certaines personnes en métropole, parce que financièrement, il a besoin de soutien, parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien de fixé, parce que les différents rendez-vous médicaux qu'il a eus n'ont pas permis de poser un diagnostic, oui. clair, et donc du coup, pas de départ. Là, il faut une assistance médicalisée, il faut qu'il puisse... On souhaite qu'il parte là-bas et qu'il nous revienne avec encore beaucoup plus fort, plus aguerri, pour retrouver un petit peu le groupe. Alors, surtout que c'était un joueur que j'ai vu évoluer au fur et à mesure des dernières saisons, et j'ai vu qu'il avait beaucoup mûri dans son jeu, oui. parce qu'il avait des qualités, une aisance technique, mais quelquefois il en abusait ou il était moins efficace. Et là, cette année, je l'ai trouvé particulièrement... efficace, perdait beaucoup moins de ballons, prendre des risques, mais je le trouvais en pleine évolution. Donc c'est vrai qu'il faut l'encourager et que lui-même ait envie de revenir le plus vite possible. Donc ça commence par une bonne rééducation et il fera du bien à notre football guadeloupéen surtout. Et puis bon, alors vous avez aussi une bonne nouvelle à nous annoncer. Avec l'arrivée justement de... C'est vrai, certes, il y a Richardson Petit qui va partir, mais il y a aussi l'arrivée d'un joueur professionnel, Nicolas Fauvègue. Alors, vous êtes à l'initiative de cette arrivée ? Tout à fait. Nicolas Fauvègue, qui est un ami d'enfance, Nicolas qui est devenu pro à 19 ans. C'est le même prénom que vous. Hein. Tout à fait. À Lille, il a fait plusieurs, il a dû faire, je crois, 6 saisons là-bas. Il a marqué en Ligue 1, il a joué la Ligue des Champions, il a marqué en Ligue des Champions. Il a gagné avec Lille à San Siro. Il a été en équipe de France Espoir après beaucoup de clubs, notamment en Ligue 2. Il a été champion de Ligue 2 avec le FC Metz en 2014, et c'est un bonheur pour nous de l'accueillir à la Dynamo. Il a 36 ans, et il est en pleine forme, il s'entraîne, il va arriver là très prochainement, il va arriver lundi, et il sera, si tout va bien, sur le terrain. On parlait du match tout à l'heure, le vendredi 11 contre Racing, il sera sur le terrain, donc c'est une très très bonne nouvelle pour le club. C'est quelqu'un qui est... C'est un professionnel, mais qui est compétiteur. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il m'a demandé un peu les retours du match face à l'USBM et aussi notamment des nouvelles de Richardson, alors qu'ils ne se connaissent pas du tout. C'est quelqu'un de fantastique sur l'aspect humain, donc il va apporter sportivement, mais aussi humainement par son côté professionnel. Oui, ben ça c'est formidable, c'est quand même bien. Il faut dire qu'il a évolué notamment avec Strasbourg, avec Sedan, avec Reims, Ajaccio aussi, si je crois bien. Vous l'avez dit, avec FC Metz. Bon, c'est un joueur qui a de la bouteille quand même, Steve. Ouais, de la bouteille, mais c'est quand même très très honorable pour nous d'avoir la chance d'avoir un ancien footballeur professionnel et qui a connu le très haut niveau. Ça va nous être sûrement très profitable, et même pour les équipes adverses, de voir un joueur d'un tel niveau. Donc pour nous, même en tant que commentateurs, ça va être un régal, et c'est sûr que l'œil va être très vite penché vers la Dynamo pour cette deuxième partie, en quelque sorte, hein, même si on n'est pas encore fini la première partie, mais on va dire la première partie du championnat, comme on est pratiquement à la mi-décembre. Donc je pense que lui, il a pris comme un challenge,
et surtout que c'est un ami à Nicolas. Mais pour nous, quand même, cette démarche est vraiment valeureuse et qui va sûrement donner aussi une dynamique dans notre championnat. Oui, oui. Alors retenez bien son nom, chers amis téléspectateurs, Nicolas Fauvergue. Vous le verrez, c'est un joueur, ma foi, qui a énormément de qualité sur le terrain. On se retrouve tout à l'heure pour parler encore de football. Pour l'heure, nous marquons une pause couleur dans cette édition. On se retrouve tout de suite après. Retour en plateau avec notre invité. Je suis très content que vous soyez en plateau avec nous, Nicolas Déric. Ben, c'est partagé, Richard. Je suis vraiment très content d'être avec vous. J'ai eu l'occasion de partager beaucoup de moments au bord des terrains. Et là, c'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous. Ben, je sais pas, j'ai comme l'impression, Steve, mais qu'il va faire du bon boulot avec la Dynamo. Je sais pas, il a la tête de quelqu'un. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on va lui laisser du temps, moi, je suis convaincu de ses performances. Donc, je ne m'inquiète pas pour lui, en tous les cas. C'est toute la connaissance du football. Et donc, maintenant... Mais il faut du temps. Alors, est-ce que les gens vont donner suffisamment de temps pour pouvoir permettre au club d'évoluer? Alors, c'est vrai que maintenant, le football demande des résultats de suite. Mais bon, on a encore du temps pour voir cette saison, la Dynamo rebondir. Et on va voir un petit peu les résultats. Et on va suivre attentivement, et moi particulièrement. J'ai retenu quelque chose de très intéressant que vous disiez tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est un élément capital, je crois. C'est la cohésion. La cohésion et puis l'esprit humain des joueurs. Je crois que, à vous entendre parler, bon, c'est vrai qu'on le dit très souvent, pour être un bon coach, il faut être, disons, il faut faire un petit peu de psychologie. Et c'est une remarque que vous avez peut-être pu faire, c'est quand vous avez vu un petit peu ces joueurs. Oui, c'est très important. C'est d'autant plus important quand on prend une équipe en cours de saison. Mmh. C'est la première fois que je prends une équipe... en cours de saison, donc c'est oui, je vois des joueurs sur le terrain, mais je les connais pas humainement, je vois pas les interactions. Et c'est vrai que c'est pour un coach, c'est vraiment important de connaître comment vit le groupe, et notamment parce que quand tout va bien, ça va, mais quand on est en difficulté, on doit être capable d'être solidaire et de ne faire plus qu'un. Et donc là, ça se passe bien. Il y a beaucoup de travail à faire, et puis avec le staff, on a aussi décidé d'ouvrir certaines choses. Là, ce soir à l'entraînement, il y a 4 U17 qui se sont entraînés. Voilà, pour mettre de la concurrence et puis que les choses avancent. Et puis c'est vrai que la venue de Nicolas Fauvergue la semaine prochaine va aussi faire beaucoup de bien. Donc voilà, il y a vraiment de belles perspectives pour l'équipe de Régional 1. On est en train de restructurer aussi certaines choses chez les jeunes. Mm-hmm. On me laisse la possibilité d'intervenir auprès des éducateurs. Demain, il y a une réunion en place. Donc moi, je suis vraiment extrêmement ravi. Je suis dans le bateau de la Dynamo depuis maintenant 3 semaines. Et c'est vraiment un très beau projet avec de belles personnes. J'ai des personnes qui me soutiennent au quotidien. Christelli, mon meilleur ami Florent. Il y a une association, l'INSEE, qui fait un travail énorme pour moi. Il y a mon ami Oussama. Donc, je me sens très équilibré. Après, comme l'a dit Steve, on ne peut pas maîtriser les résultats. On peut maîtriser certaines choses, mais en tout cas... Il y a vraiment un beau challenge. Et alors, vous avez une feuille de route, c'est quoi la priorité? La priorité? Oui. La priorité, c'est de faire en sorte que le groupe vive bien, la cohésion de groupe. Après, sur du court terme, les résultats sont très importants, on va pas se le cacher. Et c'est vrai que démarrer par un nul à Bemao, un bon match nul à Bemao, ça nous permet d'être... De garder un peu la confiance. De reprendre confiance, parce que l'équipe avait du mal à marquer. Oui. Hein, y avait plusieurs matchs sans but. Là, même si c'est sur pénalty, on marque, on se crée des situations. Et là, l'objectif, il est clair. Hein, on va pas se cacher. C'est de prendre 8 points sur les 2 prochains matchs avec la réception du Racing le vendredi 11, réception de JSVH le samedi 19. Et il faut faire le plein à domicile sur les 2 prochains matchs. Et après, on verra pour la suite. D'accord. Alors, en dehors justement de Nicolas Fauvergue, est-ce que vous avez d'autres joueurs dans les tuyaux? Il y a des joueurs qui nous ont contactés. Après, la priorité pour moi sur du court terme, c'est de faire en sorte que les joueurs de l'effectif
soit le plus performant possible. Mmh. Et à les entendre, eux-mêmes disent que certains n'étaient pas à leur niveau. Donc par des discussions, mais surtout par des bonnes séances d'entraînement, c'est de permettre aux joueurs d'être au maximum de leur potentiel. Après, vous connaissez les règlements mieux que moi. Il y a un nombre de mutés hors période, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais il y aura, oui, sûrement d'autres arrivées après Nicolas Fauvergue. Oui. Parfait. Vous savez, dans très peu de temps, c'est-à-dire le 6 prochain, le 6 décembre prochain, aura lieu l'Assemblée générale de la Ligue guadeloupéenne de football. Une élection élective. Alors, il n'y a pas d'opposition au candidat sortant, à savoir Jean Dartron, lequel a bien voulu nous accorder une interview en exclusivité. Je vous propose d'écouter très attentivement le président de la Ligue, à savoir Jean Dartron. Les images sont signées Daniel Iraville. Jean Dartron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu à la présidence de la Ligue guadeloupéenne de football. Vous êtes actuellement en pole position pour une deuxième mandature, pas de liste d'opposition, dont l'élection est prévue le 6 décembre prochain. Alors, pourquoi, et ce sera ma première question, pourquoi briguer une deuxième mandature ? Briguer une deuxième mandature, c'est parce que je pense qu'on a ouvert un chantier sur les 4 ans. Nous avons mis en place des structures d'évolution du football guadeloupéen. Hein. Maintenant, je pense qu'il y a une mandature qui doit venir confirmer tout cela, qui doit affirmer la démarche. Et je crois que l'ensemble des présidents de club, dans les échanges que nous avons avec eux depuis plus d'une semaine, comprennent bien qu'il faut que le football continue sous les traces que nous avons mis en place depuis le 18 décembre 2016. Alors, quand vous êtes arrivé aux affaires de la Ligue, vous avez deux priorités. Assainir la situation financière de la Ligue, il y avait plus de 2 200 000 euros de dettes, et puis mettre l'accent sur le développement de notre football. Dans votre bilan, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Déjà, assainir les finances, on l'avait annoncé parce qu'on savait ce qui nous attendait. Mais 3 mois après notre arrivée sur la redressement judiciaire de la Ligue, donc cessation de paiement, 1 200 000 euros à rembourser de dettes. Donc il fallait prendre les choses à bras le corps et ça a été vraiment une prise en main de la Ligue forte, dense et crispant quelquefois. Mais avec le comité directeur que j'avais autour de moi, les hommes et les femmes que j'avais autour de moi, ça m'a permis de consolider la démarche, de positionner la Ligue sur des perspectives fortes. Et ce que nous avons fait, et après avoir reçu fin mars cette assignation de la justice, nous nous sommes mis au travail, la réflexion. Et je crois que les démarches que nous avons eues, quelles que soient près des collectivités régionales, départementales, la 3F, la CONCACAF, voire la FIFA, parce qu'on a fini par faire un pot de collègue avec la FIFA, avec l'aide des collègues de Saint-Martin, de Martinique et de Guyane. Donc, je pense qu'on a fait avancer les choses, choses qui avaient déjà eu des prémices sur notamment les dernières réunions que mon prédécesseur Joseph Séné avait eues. Donc à partir de là, avec le juge, avec le cabinet qui nous suivait, dans ce cadre l'administratrice, nous avons assez rapidement pu, au bout d'un an, positionner la Ligue dans un plan de redressement judiciaire. Plan de redressement, comme je l'annonce souvent au président de club, qui nous maintenant met la Ligue sur un remboursement annuel de 100 000 euros régulièrement, chaque novembre de l'année, devant rembourser 100 000 euros. Nous avons déjà passé deux années, il reste encore 8, deux mandatures à venir. Mais parallèlement à cela, on n'a pas arrêté de travailler. On a évité d'avoir une communication anxiogène. On a évité d'avoir une communication qui fait peur. On a voulu quand même garder de la confiance des présidents, mais aussi que les clubs évoluent en confiance. Et je crois que c'est ce lourd pari qu'on a réussi à positionner la Ligue dans cette dimension.
Et puis, maintenant, sous le plan de développement du football guadeloupéen, il y avait deux leviers prioritaires. Le premier levier, c'était relancer nos sélections, c'est-à-dire donner une perspective à notre football. Nos sélections, dans le passé, ont reçu de belles choses, notre sélection senior. Mais on avait besoin de structurer l'ensemble des sélections de la Guadeloupe. Ça va des féminins, des U13, des U15, des U17 et autres. Et je crois que là, c'est un pari réussi. Sur les 41 pays de la CONCACAF, la plus mauvaise place d'une équipe jeune, sélection jeune, c'est la 16e place. Donc ce qui veut dire que nous sommes dans une situation, dans le concert CONCACAFien, respecté. Et je crois que je ne peux que saluer le travail fait par les clubs sur la formation des jeunes. Et puis notre sélection senior qui, après avoir connu des balbutiements, retrouve de la structure, retrouve de l'envie autour de la nomination de Jocelyn Gloma. Alors, c'est vrai que nous sommes loin de l'épopée de 2007. Tout le monde a envie que cette sélection eh bien, retrouve un petit peu ses lettres de noblesse. Vous êtes optimiste pour cela ou pas? Et avec quels moyens surtout? Optimiste, bien sûr. Je pense que sous la houlette du président Guy Roch, cette épopée de 2007 marque l'histoire de la Guadeloupe. Du football guadeloupéen montre le potentiel. Maintenant, il faut savoir que ce que nous avons réussi en 2007, dans le cadre où on l'a réussi, ce ne sont pas les mêmes repères, ce ne sont pas les mêmes paramètres. Il faut maintenant mettre de la fondation, mettre de la profondeur. Et cette profondeur, on y est. Nous avions déjà le pôle du Krebs, où maintenant, sur 10 jeunes de talent de 15 ans, il y en a 8 qui partent sur l'Hexagone ou ailleurs. Il fallait sécuriser ceci. Contrairement à d'autres territoires des DOM où ils n'ont pas ce potentiel de jeunes qui quittent le pays. Très souvent on critique notre football senior, mais tous nos talents sont ailleurs. Hein, voilà. Donc c'est pourquoi nous avons présenté un projet à la Fédération française de football, le CERFA, le centre élite, qui a vu le jour depuis 2 ans. Je crois que c'est l'une belle réussite de cette mandature. Qui nous habitait beaucoup après le pôle que deviennent nos joueurs. Et je crois que ce que ce CERFA, vous avez présenté dernièrement sur vos antennes, est en train de montrer et va monter dans les années à venir, c'est de la sécurisation et c'est un élément fort de l'avenir du football guadeloupéen. Et le dernier élément fin de cette mandature, ça a été l'expérimentation du statut fédéral, c'est-à-dire permettre à des jeunes Guadeloupéens qui ne sont pas chez nous, mais s'ils sont sous l'Hexagone pour 1 000 euros, pour 1 500 euros, je pense que ça, on est en train de démontrer que vaut mieux qu'ils soient chez nous, proches de leur famille, que d'être usés à 35 ans, 34 ans, ils reviennent chez nous et ils sont plus dans le football. Je crois qu'on a mis le pied dans quelque chose. Maintenant, c'est à nous de conforter, de montrer qu'en Guadeloupe, on est capable de s'occuper de notre jeunesse et de les accompagner pour mieux se construire. Toujours dans le cadre de votre programme, en ce qui concerne cette première mandature, Jean Dartron, c'est vrai que nous sommes arrivés dans une phase où la situation sanitaire est critique pour les clubs. Qu'est-ce que vous avez envisagé de faire? Qu'est-ce que vous allez faire justement pour permettre à ces clubs de survivre quelque peu? Parce que des difficultés, il y en a. Alors, déjà avant d'en arriver là, nous avons beaucoup travaillé avec les clubs dans ce dossier-là, mais il fallait déjà être crédible dans notre démarche. Et je pense que les échanges que nous avons vus avec les autorités de l'État, avec les collectivités sur ce dossier-là, a montré quand même le travail en profondeur qui se fait à la Ligue. Maintenant, concernant les clubs, on connaît la souffrance des clubs. En dehors des gestes faits par la Fédération française de football, en dehors de ce que nous faisons, de l'accompagnement que nous mettons en place, et nous en aurons encore d'autres accompagnements parce que nous sommes en train de travailler avec notre structure administrative et financière sur cela, il faut noter une chose essentielle, c'est que les clubs aujourd'hui n'ont pas les réponses en termes de sponsoring qu'ils avaient auparavant. Donc, et parallèlement à ça, les championnats se déroulent, il faut aider les clubs. Nous sommes penchés vers la collectivité départementale pour demander un accompagnement sous les licences pour que les clubs, sur cette année 2020-2021, ne payent pas 5 centimes sous les licences. Et nous sommes rapprochés aussi de la collectivité régionale pour, dans le cadre de leurs compétences,
puissent voir dans quelle mesure ils peuvent aider les clubs sur leurs déplacements, notamment sur Marie-Galante. En général, les déplacements sur Marie-Galante sont les moments qui font plus mal au club au niveau des déplacements. Alors, les réponses aujourd'hui, c'est quoi? Alors, les réponses, que soit la présidente du département, le président de la région, ce sont des dossiers acceptés, mais ça demande un travail de fond. Nous sommes en train de travailler avec eux. La présidente du département m'a démontré que c'est une bonne idée, que comme ils étaient déjà dans cette lancée d'accompagner les licenciés, et puis le président de région, avec son équipe, on a travaillé sur ce dossier-là, et j'attends les réponses, mais je ne suis pas plus inquiet que ça. Maintenant, on veut toujours que les choses aillent vite pour secourir les clubs, mais c'est un dossier, ces deux dossiers-là me tiennent à cœur, et ce serait la main tendue par les deux collectivités majeures sur le démarrage du sport d'une manière générale en Guadeloupe, sans penser spécialement au football. Est-ce qu'il y a une dotation spéciale émanant de la Fédération française pour justement ces clubs? Alors, la Fédération s'est engagée sur deux dossiers. Le premier dossier, c'est le dossier des licences. Donc, il est intervenu là-dessus. Nous sommes en train de créditer, la Fédé est en train de créditer les comptes des clubs. D'autres structures comme la CONCACAF nous a aidé de manière ponctuelle et nous rétribuons à l'ensemble des clubs ces dividendes, hein, ces aides. Et puis nous avons aussi en attente, bien entendu, ce que je viens de dire, des collectivités. Moi, comme j'ai expliqué dernièrement à l'État, au cabinet de M. le préfet, on discutait sur la tenue des matchs, je leur disais que quand une ligue a plus de 13 000 licenciés, c'est quand même un espace fort de la population guadeloupéenne, notamment de la jeunesse. Et je crois que ce qu'on a mis en place dans le cadre de la Covid-19, et nous touchons du bois là pour dire que vraiment ça aide la jeunesse à sortir de leur espace, éviter que les groupes de jeunes se montent sans espace déterminé. Le cadre qu'on a mis en place, et j'ai une grande pensée pour les autres sports tels que le basket, le hand, qui en souffrent terriblement, on pense beaucoup à eux, mais permettre à ces jeunes de s'exprimer après avoir passé une journée soit à l'école, soit à la maison, mais de manière cadrée. Et je salue le travail des présidents de club sur l'organisation des matchs, l'organisation des entraînements, où régulièrement les jeunes sont contrôlés, les jeunes sont suivis, et dès qu'un président a un joueur qui présente une situation, il arrête l'entraînement, il arrête pendant une semaine. Je crois que nous gérons très très bien ceci. Et puis vraiment, cette fin de mandature avec la Covid-19 démontre notre capacité de faire avec les clubs, pour les clubs et pour notre jeunesse. Ce qui me paraît essentiel, du reste, un mot concernant le corps arbitral. Alors, bien entendu, ça c'est le dossier. C'est le dossier, à mon avis, sur lequel on n'a pas pu gagner trop de terrain. Où on a gagné du terrain sur le plan arbitral, c'est qu'on est revenu dans le conseil CONCACAF. Nos arbitres sont là. Dernièrement, on a un arbitre qui a participé à deux séances FIFA au Mexique. On a des arbitres qui ont fait des séances CONCACAF sur la houlette de la CONCACAF, mais avec des instructeurs FIFA en Haïti, à la Jamaïque. Bon, je pense que le conseil CONCACAF est là pour permettre de promotionner notre arbitrage. Maintenant, il y a un dossier que nous avons fait avec la FEDE. Nous avons eu l'autorisation, avec l'aide financière de la FEDE, de créer le poste de conseiller technique régional de l'arbitrage. C'est vrai, il y a un an et demi, j'en parle au président, il ne voit pas encore arriver sur le CTRA, mais tout simplement parce que, bon, la bonne personne, la bonne pioche qu'on avait eue, on n'a pas pu faire la convention avec lui, tout simplement parce que c'est un professionnel qui devait quitter son travail, ce n'était pas le bon moment. On a relancé le recrutement, on a eu des candidats, mais ça ne nous a pas plu, et la direction technique nationale a confirmé notre choix d'attendre. Et là, nous sommes en train de recruter à nouveau. Je pense que pour le mois de mars, ça devait voir le jour. L'arbitrage n'évoluera pas dans le football en Guadeloupe tant qu'on n'aura pas un conseiller technique, à l'image de ce que fait la direction technique régionale Fontlouis, pour les techniciens. Si nous n'avons pas un technicien sur l'arbitrage, un arbitre sacrifié à ça, un professionnel, on n'aura pas fait évoluer les choses. On est loin d'avoir justement un nouveau arbitre fédéral, justement chez nous. On en a qui pointent le nez. D'ailleurs, quand vous regardez la R1 cette année, hein, il y a quelques jeunes qui sont en train de se lancer, avec l'aide des anciens qui les encadrent, et je leur remercie parce que
Le comité directeur a souhaité que le corps arbitral se rajeunisse un petit peu, mais pas au détriment des anciens qui quand même sont là beaucoup plus par amour aussi pour le football. Et je les remercie. Mais on en aura fédéral. Il faut prendre le travail à la base. Il faut consolider les choses. Il ne faut pas sortir un joueur comme le Mar tous les 5 ans et dire qu'on nous fonctionne bien. Il ne faut pas sortir un arbitre fédéral tous les 3 ans et dire qu'on réussit. Non. Il faut consolider, structurer pour que les compétences au niveau de la Guadeloupe, nous les avons, mais seulement, il faut permettre une montée en compétences rationnelles et organisées dans une dimension pédagogique pour permettre que nous ayons des, je dirais, des paramètres, des repères solides pour ce football de demain. Et ne pas simplement se féliciter qu'on a un bon joueur, qu'on a un bon arbitre, mais vraiment qu'il y ait une structure de base bien établie. Je crois que nous sommes sur ce chemin-là. Alors, Jean Dartron, et là on va conclure, hein, justement, quel projet que vous allez mettre en place pour rendre ce football guadeloupéen, j'ai envie de dire, performant? Alors, bien sûr, il y a deux éléments au niveau de l'administration qu'on ne peut pas négliger. Il faut poursuivre l'assainissement financier de la Ligue. On est actuellement, je dirais, à mi-chemin. On n'a pas tout gagné en 4 ans. Nous sommes en plan de redressement, mais il y a encore du chemin. Le deuxième élément, on va s'attaquer à l'administration de la Ligue. On a des employés volontaires. Maintenant, c'est mettre de la formation pour qu'en termes de compétences, l'administration de la Ligue soit répondre à nos attentes. Le personnel de la Ligue s'investit beaucoup, mais on sait, on connaît les manquements. Et il nous le demande d'ailleurs, le personnel. Donc sur cela, on devait être plus efficace. Sur le plan de la structuration, le football féminin, on a commencé un développement, il y a encore du chemin à parcourir. Il faut que le football féminin, dehors de tout ce que nous faisons, parce que cette année, on a mis le foot à 8 en place, on a démarré les rencontres U15, les rencontres U17. C'est comme ça que nous allons promouvoir le football féminin. Ce n'est pas simplement en ayant eu 10 équipes seniors. Pour moi, en tant que président et le comité directeur, le partage avec moi, c'est du folklore. Seulement, avoir des jeunes formés qui montent, et là, nous avons des techniciens de la Ligue qui font un travail énorme à ce niveau-là. Sur les 2 dernières années, là, nous sommes sur des avancées. J'ai parlé de l'arbitrage tout à l'heure là, il y a le football féminin, mais il y a aussi le football diversifié. Le football diversifié, nous souhaitons vraiment faire revenir le football entreprise au sein de la Ligue. Ça nous manque. Je sais que parallèlement à la Ligue, ils ont une structure. Le football loisir relancé. Dans la nouvelle équipe, l'équipe avec les 6 nouvelles personnes que nous aurons, il y a des gens qu'on a approchés un peu dans ce sens-là. Et puis le gros chantier, ça, c'est ce que nous mettons en place avec la Guyane, la Martinique et Saint-Martin, les 4 ligues, nous travaillons de concert. Ce qui m'habite le plus, c'est que je pense qu'on est condamné, après la R1, d'avoir un championnat régional, interrégional, avec Saint-Martin, la Guyane et la Martinique, bien sûr la Guadeloupe. C'est le gros dossier. Le gros dossier qu'on doit ouvrir avec la Fédération française de football, qui là doit prendre ses responsabilités, tout simplement, et permettre aussi qu'au niveau des jeunes, on ait des propositions pour les équipes jeunes, hein, qui ont gagné un titre, quelle compétition après. Nous allons ouvrir ce chantier avec les collègues de Martinique. On en a déjà parlé, de Guyane, de Saint-Martin. On a déjà entamé ces dossiers-là, mais on n'a pas encore concrétisé. Je crois qu'il faut partir sur des choses simples et entamer. Et surtout, ceux qui nous habitent beaucoup, affirmer notre présence à la FIFA, à la CONCACAF, mais poursuivre aussi nos discussions, nos travaux avec la CONCACAF pour une meilleure reconnaissance du football guadeloupéen. Merci beaucoup, Jean Dartron. Oui, c'est vrai, messieurs, vous avez entendu le président Jean Dartron, hein, c'est vrai, il y a du pain sur la planche, hein, Steve. Il y a du pain sur la planche, surtout beaucoup de projets. Beaucoup de projets, enfin, il y a pas mal de projets qui ont déjà été entamés, c'est clair, et il y en a à devenir, donc un qui met à cœur
particulièrement, c'est la Ligue Antilles, avec la participation surtout de la Fédération française, qui serait prise en charge totalement par la Fédération française. Ça serait l'idéal pour l'évolution, ça serait vraiment très important pour l'évolution actuellement en vue des choses que l'on vit. Donc, et notre aussi participation à la CONCACAF, ça nous permettrait d'évoluer rapidement à un autre niveau et de nouer à d'autres ambitions. Oui. Ouais. Nicolas, Déric. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui, ont, qui ont évolué. Je trouve que le SARFA, c'est vraiment une, une très bonne chose. Je retiens aussi le statut du joueur fédéral, qui est vraiment important. Je connais beaucoup de joueurs qui... Et dans votre club, il y en a deux. Hein. Oui, il y en a deux, tout à fait. Firmis et Petit. Et puis, même au niveau de l'arbitrage, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc là, il y a beaucoup de projets. C'est très positif. Maintenant, reste la concrétisation. Mais la concrétisation, mais ça démarre par des projets. Ben oui. Donc voilà, après, oui, ça va se concrétiser. Des fois, il y a des choses qui mettent un peu plus d'autant que d'autres. Mais là, il y a... Par exemple, le SERFA, c'est quelque chose de concret, c'est concrétisé. Oui. Le statut fédéral aussi, donc bravo à la Ligue pour ce qu'ils ont fait. Et dans une situation qui n'est pas facile, hein, en vue du confinement, en vue des problèmes qu'on peut rencontrer, des manques de recettes aussi des clubs. Donc la complication, le manque de biens aussi, de sponsors, qui ont été beaucoup plus difficiles. Donc c'est une année critique et on espère qu'on va rapidement justement... renouer à une dynamique et à une inspiration et surtout une fin de ce virus qui nous permette d'évoluer normalement dans tous les sens. Dans tous les domaines. Oui, dans tous les domaines, exactement. Nous sommes arrivés, messieurs, quasiment au thème de cette émission. La conclusion, d'abord avec vous, Nicolas Déric. Alors j'aimerais rappeler quelque chose d'important, la cagnotte Litchi mise en place pour Richardson Petit, j'insiste, j'en ai parlé tout à l'heure, il a besoin d'aide, la famille a besoin d'aide pour lui permettre de partir et d'être soigné le mieux possible là-bas. Et puis je tiens à vous remercier personnellement, Richard, Steve, pour m'avoir invité. Je vous invite à mon tour au Moule le vendredi 11 pour le match face au Racing. Et quand je dis je vous invite, le club vous invite. J'espère que vous pourrez commenter le match et puis on partagera un verre après match en espérant qu'on pourra trinquer. On sent derrière ça certainement qu'il doit avoir une victoire à la clé peut-être. Ah, une victoire à la clé et sûrement le premier match donc de Nicolas Fauvergue. Pour le 11 il sera là donc ça sera peut-être l'occasion de déjà le voir à l'œuvre et puis en plus de faire la connaissance de la personne. Et voilà, donc à tout le monde, à tous les amis téléspectateurs. Ça vaut le détour, hein, que les téléspectateurs se déplacent justement pour. Parce que moi, je l'ai vu évoluer, c'est un joueur qui a énormément de qualité, même à 36 ans, il est capable de faire des étincelles. Tout à fait, hein, il est là justement pour être performant et puis voilà, pour mettre son talent au service du collectif et ça va bien se passer. Merci Steve pour la conclusion. Mais c'était avec plaisir, hein, comme j'ai dit, hein, d'avoir reçu Nicolas, d'avoir parlé un petit peu de la Dynamo aussi, qui nous montre son dynamisme, de nous permettre de faire venir un joueur d'un tel calibre. Et puis, on remercie tous les téléspectateurs et encore de venir, de nous accompagner tous les mercredis et de venir aussi au stade ou s'ils n'ont pas la possibilité de regarder les rencontres sur Canal 10. Les téléspectateurs, il faut le dire, qui sont de plus en plus nombreux. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Eh bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission, un nouveau C'est le foot. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision Canal 10. Au revoir.